Nous avons besoin juste de l'autorisation du gouvernement. Nous avons besoin juste de l'accord, du protocole d'accord avec le gouvernement congolais. Nous-mêmes, nous allons amener le matériel. Nous allons faire quelques échantillons ici. Le CO2 tue les gens. Et dans beaucoup de maisons, il y a ce problème. Oh, mon bien-aimé, ce n'est pas l'argent de l'État que nous cherchons. Alors, si le Seigneur n'élève pas quelqu'un dans l'administration ou dans les institutions, mon bien-aimé, ces gens-là vont venir à ta part aussi. Voilà pourquoi le Seigneur suscite. Je lis un dernier verset pour nous mettons de vous prier. Je suis au milieu de mon peuple. Amen. Libanais, nous t'es à combien au milieu de son peuple. Je ne prêche pas la haine. Impensable. On va même chicoter les Congolais pour les intérêts du Libanais. C'est impensable. Où es-tu, Congolais? Que le Seigneur te place dans la position. Que tu occupes ta place, ta position dans le business, dans la politique et dans toutes les autres. Mais malheureusement, on a fait de toi juste une personne pleureuse. Il y a des ministères comme ça. Pendant que chaque jour, on influence la vie des gens dans la nation tout entière. D'abord, le cas. J'ai rencontré des gens qui peuvent dire je suis au milieu de mon peuple. Sinon, on a rien à quoi m'en faire. Oh, mon toit, il va passer le maillot. Il va pousser le gars à Zanangoka. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes en Zambie qui ont profité de leur position pour ouvrir les portes. J'ai vu des familles bien aimées, des familles entières, comme qui dirait faire la publicité. Venez, nous avons culte. Venez, c'était plein. Et là, le Seigneur a parlé. Là, le Seigneur s'est glorifié. Gloire soit à Dieu. Lisons le dernier verset concernant le corps de Jésus. Quelqu'un est mort, quelqu'un peut mourir dans la famille. Il meurt dans la famille. Les pleureurs ne sont toujours là. Mais ça ne change aucune situation. La personne est morte. Il faut enterrer. Mais toi, tu vas pleurer toute la journée. Mais et après, nous autres, on est au Paul. Mais nous, on est au là. Qui m'appelle toi? Il faut que quelqu'un s'élève. On dit non, moi, j'enterre. Lisons la parole. Matthieu 27. Verset 50 à 51. Et puis de 57 à 60. Bible le niveau. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. C'est-à-dire à profit. Vous en parlez. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 57. Maintenant, Matthieu 27, 57. Bible le dit. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. Et Bandiwa. Moutra, je suis au milieu de. Ce qu'on a la position pour le bas, on peut être complété. La Bible dit. Arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Vous comprenez? Qui c'était? Ils ont occultisme. Oui. Il y a un moment où tu vois, il y a un moment où il y a un occultisme, il y a un souverain. Oui. Il y a un moment où tu es. Oui. Mais, oh, Bible le dit, l'homme riche ici, il était disciple de Jésus-Christ. Amen. T'as la différence. Ça va placer la position. Pour y avoir la même la pilote.
Amen. Moi je plains tous les hommes de Dieu dans cette nation qui ont eu à côtoyer même le chef de l'État, qui ont eu à côtoyer même les premiers ministres dans cette nation, qui ont eu à côtoyer tous les grands dans les institutions du pays, mais qui sont allés juste pour leur ventre. Je plains. Si le Seigneur te pousse, te place dans une certaine position, c'est comme Nathan dans la maison de David. Il a obtenu quelque chose dans la vie de David. Et c'est comme ça, bien aimé, que toute une nation peut se mettre à genoux devant le Seigneur. Parce que toutes les institutions sont touchées. Moi, je plains. Pour ceux-là qui connaissent même le groupe de Bougoumès, leur connaissance est juste pour leur propre ventre. Moi, je plains pour ceux-là qui connaissent les gouverneurs, mais malheureusement pour leur ventre. Le gouverneur a besoin de la parole de vie. Le chef de l'État a besoin de la parole de vie. Il a besoin de la prière. Le premier ministre a besoin de la parole de vie. Où est-ce qu'ils vont tirer leur la sagesse? Moi je plains. Tous ces hommes de Dieu qui ont été à ce niveau-là et qui ont estimé, qui ont vu que c'est juste. Ce n'est pas ça. La Bible dit un homme d'Arimathée, riche, qui était disciple de Christ. Il y en a à sa limite. Il se rendit vers Pilate. Il y a porte en fond. Pilate était balade de corps. Il y a un c'est-à-dire, il y a un dès qu'on avait fondé la terre, les lents, nous avons prophétisé à mon bon monnaie. Nous avons des fois terre. Attention aux anambos à l'autre débat. Vous voyez le débat. Et si on est sur mes fibochettes à Zarak, et si on est sans valeur, nous avons un banzalem. Des témoignages là-bas. Oui. Ça m'a appris pour le Kotaka dans Bantalem. Amen. Quand j'étais sur le campus, je disais je n'habiterai jamais Bantalem. Et je me suis retrouvé en Bantalem. Bantalem, c'est un peu comme le débat. Ben Zama qui était pour le Kotaka dans l'Ivoire. Moi, si je suis dans la licence, je suis dans la licence. Ben, tu m'as dit que l'IA passe. Tu m'as dit que tu as un papier à réemploi. Hier, je suis dans la carte de la bombe et la bisauté. Nous avons dit que tu as un pitié de la bisauté. Mais on a une solution. Nous avons dit que nous avons solution. Mais solution à solo, solo. Et ça, nous avons dit que 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 nous avons dit dans un linceul blanc. Et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Au moins, il y a un de grand. On se voit avec la cage. Mais le corps là, quelqu'un devrait prendre en charge. Le corps là devrait être enterré. Il fallait que quelqu'un, que le Seigneur avait placé dans la position. Cette personne là, c'était Joseph d'Arimathée. On vient de nous mettre debout. Que le Seigneur soit glorifié. Laisse que le nom de l'Éternel soit glorifié. Laisse que le nom de l'Éternel soit exalté. Laisse que le nom de l'Éternel soit exalté. Alléluia. Bien-aimés, nous mettons debout, nous prenons prie. Tu es là ce jour. Je ne sais pas ta relation avec Christ. Cette relation est comment? Mon bien-aimé, ce n'est pas le nom de l'église. Notre église ici, son nom sonne très très bien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais ce qui compte, c'est cette relation personnelle avec toi. Tu es là peut-être ce jour. Mais tu réalises que tu n'as pas une bonne relation avec toi. C'est le temps où bien aimé de te réconcilier. Viens devant nous, l'on. Viens devant nous, l'on.